Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impec, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ascension des divisions. On est en division 6, je vous rappelle le concept, c'est simple, on commence avec une équipe bronze toute pétée, toute moisie. Et à chaque fois qu'on monte de division, on rajoute un joueur dans cette équipe. Donc là on est en division 6, on a rajouté déjà 4 joueurs dans cette équipe. Dans l'épisode précédent, ça s'était très bien passé pour nous, puisque voilà, on avait fait que des victoires. Et là, on arrive en fin de division, donc il nous faut 19 points pour être champion. Si tout se passe bien, on fait 2 victoires, ce serait parfait. Et ensuite, on rajoutera un joueur dans cette équipe, donc ce sera à vous de choisir. Pour l'instant, bon, la forme, c'est pas top. Est-ce que j'ai une carte forme? Ouais, nickel, j'ai une petite carte forme. Du coup, on va mettre une petite carte forme pour notre équipe. Et on est parti pour le premier match. Toujours avec notre mascotte en buteur. 64 de général, Juju. Juju, mon gars. Ouais, j'ai peu le temps de voir son équipe, ok. Bon, on est parti. Let's go, let's fucking go. Ou Juju. Juju, il a failli te mettre la pression directe. Direct, mon gars. Oh, Juju. Le petit Juju, il a failli faire très très mal à l'équipe adverse là. Il a provoqué un petit corner, c'est déjà ça. Oh, Bindia, lâche rien. Putain, mais il est rapide comme tout son joueur là. C'est qui le Renoir devant là? Ezekiel. Ah ouais, ok, d'accord, oui, je connais. Très rapide. Très très rapide le petit Ezekiel. Memphis toujours. Ça passe pas loin. Elle était vraiment bien puissante sa frappe là. C'était beau là. Il a fait une belle frappe, franchement le mec, bien vu. Mais on a un bon gardien dans les cages, toujours là notre Tirou. Oh là là, heureusement qu'on a Ramir. Carton rouge. Rouge. Rouge ou pas? Eh, bah oui, bien sûr, bien arbitré. Le petit carton rouge qui va nous faciliter la tâche. En plus c'est Yuri. Oh, carton rouge pour notre poteau Yuri. Dommage pour lui. Et Bindia, une nouvelle fois. Oui, il a une petite remontée de balle. C'est bien joué ça. Ouais, c'est pas vraiment ça que je t'avais demandé, mais c'est pas grave. Allez, le décalage là-haut. Le décalage est fait. T'es qui toi? Penalty! Bien joué. Mais oui, qu'il y a penalty. Mais oui. Je sais même pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Mais par contre, ça va être notre petit Juju. Juju. 1-0 les gars. But de Juju. On est bon. Le Taco. Good job. Ça c'est beau. La petite déviation de la tête. Remise. On joue une touche de balle. Et boum. Oh non. Juju. Dommage. L'action était magnifique. Ça joue bien. Oh t'es mort, Yabindia. Oh t'es mort, Yabindia, sur toi. J'ai dit quoi? T'es mort, Yabindia. Le mec il est malade quoi. Je suis malade dans ma tête, sérieux. Ouh putain, j'ai failli me prendre un but sale. Pousse. Allez petit. Non. Mais pourquoi tu la prends toi? T'es qui? Il y avait Juju derrière. Les gars, va falloir mettre ce deuxième but. Sinon il va marquer un vieux but dégueulasse. On va pleurer. Ça c'est beau. C'est beau. Mais oui, l'action est magnifique. Tout en une touche de balle ou presque. 2-0, le but du break, 67ème minute de jeu, magnifique action quoi. Entre Juju et Thiago Alcantara là, le petit 1-2 et la frappe au premier poteau, ça rentre. 2-0. Et là, il attendait le 2-0 à mon avis pour Ashkit. 1-0, peut-être qu'il pouvait revenir et voilà, 2-0, le but du break. Il a craqué le rage kit de l'adversaire sur ce deuxième but. Du coup, nous, c'est parfait, 67ème minute de jeu. Bon, j'aurais préféré qu'il quitte un peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est à 3 points du titre de champion. La vidéo va pas être très très longue forcément, vu qu'on va jouer que 2 matchs. Puisqu'à chaque fois, c'est à vous de choisir le joueur qui intégrera cette équipe. Donc j'espère remporter le prochain match. Et ensuite, ce sera à vous de jouer, tout simplement. De choisir qui rajouter, enfin quel joueur dans cette équipe. Donc déjà, on va essayer de gagner le dernier match. Déjà, on va se calmer, on est parti pour le dernier match. Tu fous ma gueule, toi? Mon téléphone fout ma gueule. C'est parti.
Cameron Jerome devant avec Amrabat, Sissoko, Depay, Dembélé, Ramirez, Kompany, Smalling, Walker, Olebas. Et le gardien, j'ai pas le temps de voir, mais il a une bonne équipe BPL quand même. Il faut être très très vigilant là, c'est le match du titre en plus les gars. Sauf que nous, Dream Team mon gars, il connaît pas notre buteur. Il le connaît pas lui. Il connaît pas. Il connaît pas Juju. Il connaît pas Juju. Il ne connaît pas Juju. Il ne connaît pas Juju. 1-0 première minute de jeu. Il est là le Juju. Roulette, fin de frappe. Et il enchaîne avec un petit plat du pied, magnifique. Allez. Bien joué. Bien joué la talonnade. Le 1-2. Juju qui résiste. Juju qui résiste. Oh, c'est dommage. Allez Bindia, on a besoin de toi. On a besoin de toi Bindia. Toujours présent, toujours présent. Bon, c'est dommage à corner, mais tu l'as bien stoppé. Wouh ! Oh, dommage mon gars, il avait pris tellement cher. C'était magnifique. Oh, carton. Et le rouge. Alors là, ça mérite franchement pas le rouge. Mais à mon avis, il devait être sur la limite du dernier défenseur et du coup l'arbitre lui a donné le carton rouge direct. Oh la sanction. Oh la sanction, en plus il a pas de chance. Parce qu'il prend le rouge et derrière c'est le coup franc direct de Douglas Costa. C'est triste parce qu'il a pas de bol, il a pas de bol le mec en face. Parce que sincèrement, objectivement, il n'y a pas rouge. Il y a vraiment pas rouge, donc bon, après moi je prends, hein, mais c'est dommage. Donc 2-0 pour nous, c'est parfait. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Il fait rentrer Kurt Zuma pour mettre... je sais pas s'il va le mettre à droite ou dans l'axe. Et du coup, Dembélé qui est sacrifié pour cette deuxième période, vu qu'il joue à 10. Oh, il a l'air chaud. 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 C'est pas possible. Oh, c'est pas possible, sérieux. Eh ouais, on avait pas fait de poteau, les gars. Faut pas oublier la petite malédiction des poteaux, toujours présente, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mon live ce week-end, vous-même, vous savez combien de poteaux on a fait. Combien de poteaux on a fait, sérieux, en... Allez, 4 matchs, ou 3 matchs, on a dû faire 6, 7, 8 poteaux. On a fait 8 poteaux en tout, mais je crois qu'on avait fait 4 ou 5 matchs. Attends, ouais. Elles étaient pas assez cuites, ou elles étaient bizarres. Ouais, elles étaient marrons, elles étaient bizarres. Ouais, pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oh putain, non. Oh putain, je vais prendre un but! Non, c'est bon. Mais ouais. J'ai failli prendre un but. Ouais, ça marche, vas-y, ciao. Ok. Le mec, il rage quitte. Le mec, il rage quitte, quoi. Bon, ça fait 2 rage quitte. Du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. Victoire 2-0, 7300 crédits. Et attendez, on a combien de crédits là? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que déjà on remporte le titre de division. Donc ça c'est parfait. Et du coup vous allez pouvoir choisir un nouveau joueur avec 24 000 crédits quand même. Voilà, on a quand même pas mal de crédits. Donc c'est assez intéressant. On va dire 20 000 crédits, comme ça on va se garder une petite marge. Même si vous avez des joueurs qui coûtent que 10 000 ou 15 000 crédits, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me proposer. Pas de buteur parce que pour l'instant on va quand même garder Juju, c'est notre mascotte. 35 matchs, 30 buts, on se passe décisive. Il n'y a pas meilleur que lui. Donc Juju, on va le garder. Proposez-moi, je sais pas, un dernier milieu de terrain et on enlève lui là, je sais pas c'est qui, Hogstad. Et du coup, ouais, proposez-moi un milieu de terrain. Alors, je sais pas, ça peut être un milieu de terrain de BPL pour faire un lien avec Ramirez ou je sais pas, un Brésilien ou même un joueur de Ligue 1, n'importe qui. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de collectif. Mais c'est à vous de choisir ce joueur-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette série-là. Même si c'est assez compliqué, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué de reprendre l'ascension des divisions. Mais là, pour l'instant, on a de la chance. C'est parfait, on monte jusqu'en division 5. Et puis voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode-là. N'oubliez pas de me proposer un joueur dans la description, dans l'espace commentaire plutôt. De lâcher un petit like si vous avez apprécié les escrocs. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de l'ascension des divisions. Prenez soin de vous les escrocs, c'était Flo Nox aux manettes.